Pas tant que tu n'auras pas terminé tes devoirs. Et je suis très sérieuse. Oh, allez, quoi, maman? Sois sympa pour une fois. Pour une fois? Non, mais vraiment, là, je rêve. Mais enfin, maman, puisque je te dis que c'est une question de vie ou de mort. Désolée, mais le plus important pour l'instant, c'est que tu aies de meilleurs résultats à l'école. Ouais, de toute façon, tu peux pas comprendre. Écoute, épargne-moi la scène de la petite fille incomprise, d'accord? Et je te déconseille d'appeler ton père afin qu'il te donne de son côté l'autorisation de sortir. Oh, j'en ai marre! C'est vrai, on ne peut jamais rien faire dans cette maison. Puisque c'est comme ça, je mets les voiles. Et que pensez-vous de celles-ci? Oh, elles sont absolument magnifiques et quelle couleur exceptionnelle! C'est tout ce qu'il vous faudra? Oui, ce sera tout pour aujourd'hui. Ah, voilà ce qu'il me faut. Un, deux, trois cailloux. Ça devrait être suffisant. Si seulement Kitou était là. Lui, au moins, il me comprendrait. Quand il verra ce carton, il comprendra tout de suite que nous fêtons son anniversaire chez Mamie Lila. Traficote encore. Alors à tout à l'heure, mon gentil petit monstre. Ça s'arrange pas. Elle appelle Nemo son gentil petit monstre maintenant. Oh. Voyons voir ce qu'il manigance. Quoi? Un anniversaire? Eh bien, tu peux lui dire adieu à ton goûter d'anniversaire. Ah, et Nemo va enfin s'intéresser à moi. Lucie! Lucie! Coucou! C'est moi! Hé, ma valise a disparu. Elle a pensé à moi. Ça fait tellement longtemps que je rêvais de te dire adieu, sale petit monstre. Je ne veux plus jamais te revoir. Mais... Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Lucie! Aujourd'hui, dans votre supermarché Zinzaro, une promotion exceptionnelle vous attend sur le parfum au lilas. N'oubliez pas Zinzaro, la qualité, le choix et le sourire en plus. Hey, salut Lucie. Oh, mais tu prépares un anniversaire? Oui, et d'ailleurs, ce sera un drôle d'anniversaire. Et voilà le ticket. Oh non, c'est pas possible! Il a encore remplacé mon argent par ces cailloux! Et ça vous embêterait de donner les tickets à ma mère? C'est comme si c'était fait, mais seulement pour cette fois. Hey, je veux ça, donne-le-moi! Pas
Vas-y, serre-toi. Ne touche pas, je l'ai vu en premier. Toi, on t'a pas causé. Regardez-moi un peu toutes ces divines saletés. Oh non, d'un scrogneux de j'en ai la chair de poule. Ah, mais laisse pas pousser. Comme le dit le proverbe, pour les miches de mémé, le siège bébé. Non, pousse-toi de là, la vieux, c'est plus de ton âge. De l'huile puante. Dis merci à Bastien qui vient de trouver de la collante de dernier choix. Dis donc, j'apprécie pas tes manières. Lâche ça tout de suite, l'ancêtre. Il est trop tôt pour l'apéro. Je suis tellement heureux, j'ai envie de vomir. Pourquoi tu fais tout ce rafut, l'affreux? J'ai besoin d'aide. Ma petite Lucie a disparu. Me laisser tomber aujourd'hui, le jour où on avait décidé de fêter l'anniversaire de notre rencontre. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Moi qui croyais que c'était ma meilleure amie, me quitter comme ça sans prévenir. Une minute. Elle n'écrit pas à l'encre rouge. Et puis, il y a encore un truc qui cloche. Lucie n'écrit pas du tout comme ça. Et crois-moi, je suis bien placée pour parler de son écriture. Je passe mon temps à copier ses réponses, alors... enfin, je précise que ça n'arrive pas si souvent que ça. Mais alors, Lucie a peut-être été enlevée. Ouh, à moi la belle vie. Mamie Lila est en vacances. C'est trop génial, j'ai la maison rien que pour moi. Tu dis que c'est ici que t'as trouvé le message? Oh, vite, cache-toi! Oh, salut, Nemo! Salut, Scala! Oh, quelle jolie fleur! C'est trop gentil de penser à moi! Tu sais, Scala, le problème, c'est que, en fait... Je sais pas comment te remercier. Ça te dirait de venir goûter avec moi? Je sais faire de très bons gâteaux, tu sais. Ah! Lucie! Super! Tu vas voir, on va bien s'amuser, toi et moi, en tête à tête. Alors? Ok, d'accord, Scala. T'auras qu'à venir dans ma cabane avec le goûter. T'es un amour, je t'adore. Lucie? Lucie, tu es priée de me répondre quand je t'appelle, tu entends? Oh non! Non, c'est pas possible! Il en met du temps, mon petit monstre. Ouais! J'arrive! Oh! On peut pas dire que ça te réjouisse beaucoup de me voir. Bah, c'est seulement que j'attendais la visite de Kitou. Psst! Oh, tu es là, mon amour de petit monstre! Tu sais qu'on a failli pas te retrouver? Elle n'est pas chez vous non plus? Oh, merci quand même. Au revoir. Elle doit être encore en train de traîner avec ce vaurien de Nemo. Oh, j'aime pas du tout la pluie. Oh, j'aime pas du tout. Qu'elle passe beaucoup de temps avec lui du côté de la maison du grand chêne. Oh, Scala? Ça fait plus de 3 heures que j'attends Nemo. Je sais qu'il ne va pas tarder à arriver. Est-ce que tu sais où est Lucie, par hasard? Si tu es au courant de quelque chose, je te conseille de me le dire et sur le champ. Elle se trouve... elle est dans la maison de sa grand-mère. Absolument tout ce qu'on veut. Kitou, tu
tu seras libre d'inonder la salle de bain tous les matins comme ça te chantera. Ouais, et je pourrais me balader dans la maison sans être obligée de me cacher tout le temps. Et moi, je pourrais me coucher à minuit. Et je mangerai seulement les choses qui me plaisent. Et moi, on m'empêchera pas de faire le ménage. Non, arrêtez là, vous me dégoûtez. Alors comme ça, les courageux, il paraît qu'on a peur de l'orage. Ouais, y en a marre, c'est encore vide. Non, c'est rien, c'est seulement l'orage. Non, c'est pas l'orage, ça vient de la cuisine. C'est horriblement mauvais. Hey, mais je rêve, mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a pas été invité, je suis indé. Écoute bien, toi, une des deux blancs becs, vous allez déguerpir d'ici et en vitesse, sinon je vais m'énerver. C'est compris? Vite, cachez-vous, je vais voir qui c'est. Maman! Oh, ma chérie, tu es là, je t'ai retrouvée. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Oh, j'étais folle d'inquiétude. Oh, je te jure, je suis trempée jusqu'aux os maintenant. Je vais nous préparer deux gros bols de chocolat bien chaud avant de repartir. J'ai envie de rentrer tout de suite chez nous, maman. Moi aussi, allez, viens. Referme bien la porte derrière toi. T'inquiète, maman. Les amis. J'ai pas dû bien comprendre ce qu'elle a dit. Si, elle voulait que... Elle nous a fait signe de bien ranger la cuisine. Oui. Bonjour, je vous apporte la facture pour les courses d'hier.